Pierre Groal, vous allez présenter Central Park West dans le quintet de jeudi à Longchamp. Le raccourcissement de la distance qui a été bénéfique la dernière fois. Oui, en effet, c'est un cheval qui a besoin de courses assez rythmées quand même pour se détendre. Et du coup, il est plus à l'aise sur des parcours un peu rapides. Ouais. Donc, du coup, là, cette fois-ci, on change de surface. La situation au poids, forcément, sera pas la même et il monte de catégorie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ça, c'est beaucoup d'éléments à poser question. Déjà, ce qui me tracasse le plus là-dedans, c'est plus le terrain. Je pense que il est comme moi, c'est un vieux cheval avec tout son passé derrière lui, et je pense que la fibre lui était bénéfique, et j'ai un peu l'inquiétude du passage sur le gazon. Mais maintenant, à la saison, j'ai plus le choix, il faut essayer. D'accord. Alors, justement, le gazon, vous préférez qu'il soit plutôt en bon état qu'en mauvais état, alors? Ouais, en fait, un terrain trop souple, il ne pourra pas s'en sortir vu sa conformation. Donc il ne faut pas trop souple, et si c'est trop léger, ça peut peut-être lui résonner un petit peu, et du coup il peut peut-être surprendre. Donc voilà, c'est un savant mélange qui va être compliqué à voir. D'accord. Donc mis à part le terrain, autrement pour vous, au niveau de sa pénalité et puis du fait qu'il monte de catégorie, ça c'est un peu moins gênant? Oui, mon inquiétude est plus sur le terrain. Après, c'est un cheval qui a besoin de courir un peu caché, donc l'autre jour, on a eu la chance, on a eu un parcours assez heureux, ça s'est bien passé. On l'aura pas à chaque fois. Il faut qu'il se détende, quoi, c'est ça, quoi. Exactement. En fait, il faut qu'il se détende bien dans un parcours pour pouvoir placer sa pointe de vitesse. Mais voilà, il faut une course qui avait du rythme, qui puisse bien se relâcher, donc... Il y a des jours où on passera à côté obligatoirement, c'est pas une valeur sûre, D'accord. Donc si jamais ça veut bien se passer quand même pour vous, il reste compétitif alors malgré sa pénalisation. Oui, je pense que s'il s'adapte au terrain avec un parcours heureux, il a sa place dans les 5.